Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un énorme colis à ouvrir avec vous. Il vient d'une copine que je connais depuis 25 ans passés, Cindy, ma chérie. Et on s'est retrouvés sur Instagram il y a, je sais pas, 15 jours. C'est marrant, elle m'a envoyé un message. Et comme elle avait un pseudo au départ, ben, elle m'a dit, bah, tu te rappelles de moi? Et puis elle donne son nom, prénom. Ben, bien sûr, je m'en rappelais d'elle. Et alors, elle s'attendait bien, parce que bon, on a parlé de tout et rien. Et elle m'a dit qu'elle pliait du coup des vêtements. Et elle m'a envoyé des photos. Elle m'a demandé ce qui m'intéressait. Il y en avait la blinde. Je crois qu'il y a beaucoup de robes. Et elle m'a dit, bah, je vais te les envoyer. Mais sauf que elle a pris l'envoi express par la poste. C'est hyper cher, je ne savais pas, 25 euros. Chérie, il faut que tu passes par Mondial Relais, hein, t'embêtes pas la prochaine fois. Donc j'ai quand même payé les frais d'envoi parce que je trouvais ça hyper excessif et je voulais pas qu'elle dépense. D'ailleurs souvent quand vous m'envoyez les colis, je vous demande hein, si vous voulez que je vous envoie que je vous paye l'envoi parce que bah déjà ça fait des frais avec ce que vous mettez à l'intérieur. Et puis bah c'est pas toujours donné. Bon c'est vrai que le moins cher c'est Mondial Relais. Qui est-ce qui est en train de faire du bruit? Donc, eh ben on va ouvrir ça ensemble. Alors, pour commencer. Ouh. Et non, il y a une jolie boîte là. Bon, bah, tu sais que je suis fan de boîtes ou tu ne le sais peut-être pas. Du coup, je la garde. Alors, je savais que j'ai toujours ma petite boisson parce que je meurs de soif en permanence. Je crois que c'est. Ils lavent les. Ah oui, ça, c'est les mecs qui lavent les. Les rigoles de trottoir. J'ai oublié le nom, mais t'as compris. Donc, normalement, ils ne font que passer. Waouh! Alors, qu'avons-nous? Un petit collant Longbourget. Oh punaise, il est beau. Ah non, mais moi je croyais que c'était un truc tout simple. Oh, elle va être longue cette vidéo, elle va être longue. Mais il est tout neuf. Tu vois, il a des. Ah, sympa. Alors, je ne porte jamais de collant comme ça parce que je ne les supporte pas. Mais alors, pour faire des looks, je n'ai aucune paire de collants à motif. Donc, ce sera mon premier. J'ai dû en avoir, hein, mais j'en ai plus. Ce sera mon premier. Ce sera pour les looks un peu automnaux. Hiver et tout ça. Alors ça, oh, ça c'est pas mal aussi. Ça s'attache au soutien-gorge. On voit derrière. D'ailleurs, il me faut un soutien-gorge blanc parce que j'en ai même pas. C'est joli ça. Je connaissais pas du tout. Comment ça s'appelle? Protel soutien-gorge avec décor nuque. D'accord. Oh, encore un. Ah, collant résille. Oh, ça, ça. Ah là, oui, regardez. C'est joli, là. Elle est belle la photo, je trouve. Alors, je regardais si ça pouvait faire des sacs à caca. La nana, elle récupère tout, tu sais. Donc ça, c'est pareil, je n'ai plus du tout de collant résille. Ah, saute pas, ma chérie, parce qu'alors là, avec tes griffes, laisse tomber. Oh, waouh. Ça, ça peut faire des super looks aussi. Alors pareil, je supporte pas du tout les résilles parce que ça me gêne. Mais pour faire des looks, en plus, j'adore mettre des petites chaussures rouges, vous le savez. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Ah ben ça, ça va aller dans mes trucs à chaussettes. Dans mon sac à chaussettes, parce que j'ai un sac à chaussettes. Et ce sera pour faire mes looks. Et ben, c'est parfait. Plein de trucs. Génial. Tout con, mais vraiment très bien. Des gants en laine. Je vais pas les enfiler parce que je vais mourir. Et en plus, j'adore le rouge. Et en plus, il y a une abonnée l'autre jour qui m'a envoyé une jolie écharpe aspect cachemire. Je crois que c'est une abonnée qui me l'a envoyé de la même couleur. En plus, j'ai que des gants noirs, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus. Alors là, il va falloir que tu me dises, Cindy. En plus, c'est vintage pour le coup. Oh, ça va aller en déco dans ma cuisine. Ça, c'est orange. Oh, trop marrant. Est-ce que c'est un truc de cuisine? Peut-être, parce que là, il y a un coquetier. Oh, joli. Pareil, en déco. Je vais le mettre là-bas, parce que tout est en bois ici. Donc, oh, nickel, c'est mignon. Ah oui, elle a pas mis... Ah, en fait, c'est vraiment un truc que pour les collants. Ah, bah, du coup, je vais les garder dans la boîte. Bon, bah, super. Oh là là. Que des collants à motifs. Oh, génial. J'en ai aucun pour faire des looks. Moi, j'ai que des tout noirs. Oh, super. Ça va apporter une petite touche là pour l'automne. Même
des bas. Mais quand tu mets sous une jupe, ça fait collant. Oh, génial! Oh, il est beau celui-là. Oh, waouh! Oh, vraiment, je n'avais pas du tout. Et en plus, il y a toutes les couleurs! Ah, ça va vraiment apporter une petite touche à des looks. Ah, ça va faire stylé. En plus, ça fait vraiment. Tu sais, même si tu le coupes, tu sais, un peu pour faire un peu caleçon à la Madonna dans Recherche Suzanne désespérément. Je sais pas si là, vous avez la ref. Hein. Eh bien, écoute, c'est très simple. À part les gants et le truc pour le soutien-gorge que je vais mettre avec le soutien-gorge, je vais garder la boîte, tout simplement. Parce que déjà, elle est magnifique. Et puis, c'est vrai que du coup, c'est parfait. Je saurai que tous les collants à motifs sont là-dedans. Oh, merci, Cindy. Je pars avec ces Cindy, Cindy, cheveux fous. Pardon. Je sais pas pourquoi. Alors, petite robe. Ah ouais, je connais cette marque, c'est allemand. Waouh, c'est une super marque. Heine. Alors, c'est long ou c'est une nuisette? Remarque que tu peux en faire un look. Tu sais, on dirait un truc pour dormir. Bon, je vais réussir à t'en faire un look. C'est magnifique. Oh, la qualité. Ouais, tu peux en faire un truc de. Tu peux en faire une robe. Veste en jean, grosse ceinture, Doc Martens. Tu vois le décalage? J'ai déjà des idées. Ah, je me rappelle pas. Parce qu'elle m'a fait choisir en plus, mais tu vois, j'ai déjà oublié ce que j'avais choisi. Camailleux! Ça y est, apparemment, Camaïeu, ça a été racheté et ils vont réouvrir. C'est quelle taille, ça? Est-ce qu'on a une petite... Est-ce que tu es comme moi et que tu coupes les étiquettes? Auquel cas... Ouais, tu dois couper quelques étiquettes. En fait, c'est une robe. Alors, attends, punaise, alors ça va... Ça... La petite robe noire, mais alors, vraiment magnifique. Ah ouais, alors, tu vois, tu as... Attends, que je ne me plante pas dans le sens... Voilà, donc devant... Je vais avoir du mal à vous la présenter. Je le sens, je le sens. Est-ce que le croisé est devant ou derrière? Bah devant, fatalement. Croisé, comme ça. Derrière, tu fermes. T'as un dos. Comme ça. Elle est où? Elle est belle. Et en fait, waouh, la taille, ça va être bon. Et en fait, après, elle part en jupe crayon. Waouh. Enfin, du coup, robe crayon. Oh là, il est... En plus, celui-là, ça va être nickel. Ah, le jean des looks. Oh, ça doit être un rebond de fesses. Oh, bah, j'en ai bien besoin en ce moment. Oh là, il est super. En plus, tu as dû le mettre beaucoup, donc il est super, super doux. Ah, trop cool. C'est un jean lambda. Vraiment lambda. On est chez Tifosi. Oh, double up. Ça doit remonter le cucu, ça. Il fait vachement au début 2000. Oh, j'adore. Avec les gros passants là où tu mettais les grosses ceintures. Alors moi je suis pas jean, mais là il est tellement doux. Elle a dû beaucoup le porter et du coup le délavé il est encore plus stylé. J'aime bien. Avec le petit trait là au milieu là tu sais. Oh j'aime bien. J'aime pas les jeans rigides. Enfin, un truc vert. Oh non. Attends avant le truc vert. Oh, génial! Oh, c'est trop fort! Je vais le mettre en déco. Je vais mettre celui-là en déco avec mes trucs d'enfant. Méthode Bauchère et mon abécédaire. C'est notre ancienne méthode de lecture. Non. La méthode est tout petit. Alors ça date... Alors, 1984. Bah ouais. C'était notre méthode de lecture. En CP. Génial, bah ça va aller là. Ça va aller là, je sais où. Je sais où. Alors, le truc vert, il me plaît parce que c'est un sweat, je le vois. Attention, découverte, sweat à capuche. Je le découvre avec vous. Oh, génial. Oh putain, j'ai encore mal, pardon. Oh là là, trop bien. C'est quelle taille? Bon, de toute façon, moi, en plus, j'adore le vert. Ah, elle me coupe toutes les étiquettes, elle fait comme moi. Oh, la taille, elle est bien là. Oh, c'est sympa! Université d'Arizona. Born to be wild and free. Né pour être féroce et libre. Sauvage et libre.
du brie sauvage. Oh, j'adore. Tu me l'avais proposé celui-là? J'ai l'impression que tu as rajouté des trucs par rapport à ce que tu m'as proposé en photo. Oh là, il y a une belle robe aussi, dit. Bon, déjà, rien que le tissu. Marjo, si elle regarde, elle va dire, oh, quel beau tissu. Ouais, c'est une robe longue. Alors, on est chez qui? Moi, il faut toujours que je... Ah ouais, chez Naf Naf. Bon, bah, j'ai compris tout de suite. J'allais dire, la qualité, elle est vraiment trop belle, c'est pas possible. Et c'est un 40? Ça, je m'en fiche. Hein. Parce que, alors, moi, plus c'est fluide, mieux c'est. Donc, c'est une robe. Et attention, attention, attention. Hyper longue. Alors, j'en mets pas souvent. Mais comme moi, je suis grande, à mon avis, celle-ci, elle va être bien longue. Oh, je la garde, elle est trop belle. En plus, oh Dieu merci, ce n'est pas du viscose, c'est du coton, la doublure, parce que souvent, les doublures des robes, elles sont en viscose. Et moi, je ne supporte pas du tout. Oh, mais je vais te faire des looks. En plus, ça sent bon tout ça. Ah oh, ouais, celle-là, je me rappelle, elle m'avait envoyé une photo. Putain, il y a un truc là. Non, ouvre d'abord, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre. Parce que je vois des trucs, tu sais, en allant, je vois des trucs encore. Oh! Cache-cache. Ouais, celle-là, je l'avais choisie. Oh, trop fort. En plus, on est sur une taille qui est un peu plus grande que la mienne. Et du coup, moi, c'est parfait. Je ne prends. En fait, je suis l'anti-Maria Carré, je vous le dis tout le temps, mais je prends 40 alors que tu es du 34. Et elle, elle fait le contraire. Elle coupe tout rien comme moi. Ça te gratte au moins. Oh, je dirais que c'est un 40 peut-être. 38-40. Oh, elle est belle. Oh, elles sont toutes belles. Je pense que je suis dans la merde parce que je crois que j'ai envie de tout garder. Oh là, on est sur un truc vintage, non? Ou alors, réplique vintage, Patrice Bréal. Ah, alors, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est 100% viscose. Mais elle est trop belle! Ah, je me fais mal quand je parle, mais je suis trop contente. Elle est magnifique. C'est une totale réplique d'une robe un peu 60s. Oh là là, elle est trop belle. Tu peux régler. En plus, regardez. Vous pouvez régler. Oh là là. Mais moi, j'adore le vert. Bon, elle est un peu transparente, mais tu peux mettre un fond de robe. Ça, c'est pas un souci. Oh, puis elle crotte. Hein. Et de regarder derrière. Oh, punaise, elle est magnifique. Ouais, par contre, c'est du viscose. Ah, puis alors ça. J'ai transpiré. Non, pourquoi vous avez fait ça, Patrice Bréal? 100% polyester, pardon, pas viscose. Non, viscose, c'est très doux. 100% polyester. Ah, tant pis, je transpire. Mais alors là, celle-là, je ne peux pas ne pas la garder. J'ai jamais une robe un peu dans ce style. Ça ne dit rien. Ça fait un peu style robe tablier. Je ne sais pas si. Oh, waouh, elle est magnifique. Oh là là, je me rappelais plus non plus que tu m'avais proposé cette robe. Waouh, oh, celle-là est belle aussi. On est chez, à chaque fois, on est chez Vanilla. Vanilla. Oh ouais, le petit top typique du début 2000. Alors ça, c'est plus un top, hein, c'est pas une robe. Hein. Regardez. Ouais, il est un peu grand. Et je pourrais même l'offrir à ma mère. Je sais pas si elle aimerait. Parce qu'il est vachement gros. Ah ouais, puis en plus, tu sais, l'élastique ici. Ouais, mais ça arrive des fois. L'élastique, il est détendu. C'est beau. Regardez le plastron. S'il vous plaît, prenez un petit temps pour regarder ce plastron et les petits boutons aussi, comme ça. Waouh! C'est magnifique. Waouh! Alors là, je vois un truc bleu marine qui a l'air assez. Style vintage aussi. Oh, punaise. Elle est trop belle aussi. Je sais pas, tu l'as eu parce qu'elle m'a coupé une étiquette, ma soeur. Regardez-moi ça. Oh, waouh. C'est trop mignon. Ah, pareil, là, la matière, waouh, je vais transpirer, mais je peux pas ne pas garder une robe aussi belle. Écoute, j'ai des robes, j'ai des belles robes, mais là, je pense que tu as vraiment fait fort. Regardez-moi ça encore une fois. Je sais pas du tout d'où ça vient, si c'est une réplique. Ouais, je pense que c'est une réplique d'une robe. C'est aspect vintage, à mon avis. Parce que la matière, je pense pas que ce soit une matière vintage. Bon, c'est du polyester, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est une réplique. Mais elle est magnifique. Je sais, je vais faire ça à chaque fois. Un petit top.
Ou de chez Morgane. Ah là, la matière, elle est douce. Hein. Tu peux y aller. Hein. Pareil. Petit top, bah, très début 2000. Hein. Tu avais gardé beaucoup de choses, du coup. Regardez. Toute la bretelle est en... Oh, j'avais pas vu, il y avait un petit nœud. Il a perdu quelques sequins, mais ça, c'est le problème. Il y a un petit nœud. Waouh! Celui-là, il est fluide. Hein. Ah, j'ai pas vu. S'il y a des petits trucs dorés. Waouh, magnifique. Oh, waouh. Et ben là, on est parti. J'ai tout l'été pour faire des looks. J'ai tout l'été pour faire des looks. Qui habille 42? Ah, oh, celui-là, il va être trop grand. Mais alors, c'est pas grave. Parce que ma copine Jamila, qui adore les trucs comme ça. Ah, tu peux le serrer. Ouais, d'accord. Ok, autant pour moi. Oh, bon, on peut quand même faire quelque chose. Mais je pense que je vais l'offrir si tu n'y vois aucun inconvénient à ma copine Jamila. Parce qu'elle aime bien les trucs comme ça. Elle les met en tunique. Même si là, je pense que nous sommes sur une robe à la base. Ah, là, tout bien plié. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Cindy, merci. Oh ouais, ça c'est pareil. Lolo! Toujours qu'elle me fasse ça. Hein. Camailleux. Taille 38. On va réussir à en faire quelque chose, tu sais pourquoi? Parce que là, tu peux mettre une ceinture et il y a déjà la ceinture. Alors moi, souvent, je les enlève ces ceintures-là, mais peut-être que là, du coup, je vais la garder. Wow, elle est belle. Ouais, ça va être trop grand, mais c'est pas grave. Elle est belle, bien doublée, pas du tout transparente. Je la regarde. Wow, regardez. La petite, c'est pareil, ça me fait penser au... Je sais pas, je me verrais en 2006, là. J'essaie toujours de dater. Elle est mignonne comme tout. Elle est agréable comme tout. Là, on est sur du coton, elle est agréable comme tout. Oh, il y a un beau... Une belle robe blanche. Ah oui, il y avait une petite tache, mais alors là, ma chérie, ça, Bibi, t'inquiète pas, elle a l'astuce. On est chez Désigual. Ah ouais, d'accord. Alright. Ça, c'est à l'intérieur, en fait. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh, waouh. Regardez derrière. La broderie, elle est magnifique. Avec le petit... Oh, la tâche, je vais la tremper dans du percarbonate. Il n'y a plus rien demain. Oh, elle est belle. Transparente? Hein? Ouais, pas trop. Elle est doublée de toute façon, je pense. Oui, elle est doublée. Oh, celle-là, elle est vraiment... Ça, c'est une belle pièce. Hein. Oh, la vache. Oh, merci. Elle est magnifique. Oh, waouh! Tu vois, moi qui n'aime pas les robes longues, peut-être que là, je pense que tu vas me convertir. Si vous trouvez que j'ai bonne mine, c'est de l'autobronzant. Je précise parce que je suis en train de regarder le retour caméra. Je me dis, mais mon Dieu! Tissaya, ça viendrait pas de chez eux. Non, c'est pas Intermarché qui fait Tissaya. Oh, elle est trop mignonne. J'ai eu des robes comme ça aussi. Un beau rouge, regardez. Et derrière, waouh! Transparent. Petit look, petit look. Regardez-moi cette petite robette trop mignonne. Esprit un peu patineuse, un peu. Et en plus, c'est pas vraiment rouge, parce que vous voyez rouge. C'est vraiment coquelicot là, pour le coup. Atlantic Ocean. Oh, c'est marrant ça. C'est un t-shirt à capuche. C'est plus pour dormir. Mais alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Oh, qu'est-ce qu'elle peut couper? Tu sais? En t-shirt un peu plus... Voire en crop top, mais je vais d'abord le couper un peu long. Et après, voir si je peux faire un crop top. Parce que des fois, je le coupe trop court d'un coup, puis après, c'est foutu. Oh, c'est sympa, ça. Oh, bah ouais, un t-shirt avec une capuche. Tiens, c'est rigolo. Ah, oh, c'est mignon ça. Oh, c'est trop mignon.
Ah, c'est beau. Je suis motivée en ce moment. Oh mince, l'enveloppe, elle était là. Elle est belle, ton enveloppe, ma poule. 2003? Toi, t'es une gardeuse, hein. 2003 ou 2023? Non, 2003. Et pour mon plus grand plaisir, t'es une gardeuse parce que. Là, du coup, je me retrouve avec des vêtements. Là, j'ai fait un moment de croissance. À nos bons souvenirs. Prends soin de toi, Cindy. Câlin, ta fifi, love. Ah ouais, 2003. Je garde des bandes de papier, des bois. Ah, c'est non, c'est vraiment des. Ah, c'est beau. Oui, je garde vos cartes. Attends, ce n'est pas fini. C'est parce que je viens de voir dans le fond. Ah, génial. Mais où as-tu acheté tous ces collants et pourquoi ne les as-tu jamais portés? Ah, bah voilà. Eh ben parfait, Madonna, elle est là. Façon de parler, je me comprends. Ça, c'est un legging. Et ça fait hyper années 80. Didi, didi, didi. Donc tu vois, je ne vais pas avoir besoin d'en couper un hein, parce qu'il y en a un là. Ça fait Madonna. Donc, recherche à Suzanne désespérément avec Patricia Arquette. Si je n'abuse, mais ce n'est pas fini. Oh, ben non, Cynthia, elle n'a pas rigolé sur ce coup-là. Petit débardeur Chine. Non, pas petit débardeur. Ah, body. Body. Et tu sais que ça doit faire 30 ans que j'ai pas essayé un body sans déconner. Ah, c'est bien parce que du coup, comme ça, quand t'enfiles le pantalon, le body, c'est toujours en place. Et c'est ça qui est bien pour un body. Je sais que j'en ai acheté quand j'étais plus petite, plus jeune. Parce que là, le body, c'était tout à fait. Ah, pour dormir, génial. Ah ouais, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas été un peu grand? Elle. Pardon, je râle moi-même contre moi-même. Ah ouais, il va être un peu grand. Il n'y a pas de lien de serrage. Ah, chier. Pardon. Parce que ça, j'aime bien dormir avec ça, là, tu vois, quand il va faire très chaud. Parce que moi, là, pour moi, 25, c'est pas encore très chaud. Hein. Je dors encore avec mon jogging molleton. Ah, bibi. Ça, c'est beau, ça. Là, je vais faire un bond dans le temps, je le sens aussi, quoi. Là, je vais être en 2006, tu vois. Ah, c'est la même que l'autre. C'est, je pense. Oh, wow. Un peu le même top que l'autre. Bah ouais, c'est le même, non? T'aurais pas acheté deux fois le même des fois. Ouais, bah si. Avec la ceinture pour resserrer. Ou pas, hein, d'ailleurs, tu fais ce que tu veux. Waouh. Ces couleurs-là. Ben si, regarde, la ceinture, elle est censée être là. Donc si. Ouais, c'est un top, hein, par contre. Parce que c'est. Non, non, ça peut pas être une robe trop courte. Oh waouh. J'ai eu tout ça. Le plastron. Il est magnifique. En plus, turquoise. Et du coup, ça, bah, c'est génial parce que comme c'est un peu trop grand pour moi, ça, je garde parce que. Tu vois, je garde pas les ceintures en général quand elles sont pas. Mais là, vu que c'est une belle ceinture en satin comme ça, je vais bien repasser. Et je vais la mettre, tu vois, comme ça, mon top, il sera bien serré, et peu importe que ce soit trop grand. Là, il y a les petits pois. Et moi, les petits. Oh, ouais, là, on est sur du 100% viscose. Oh là là, j'en suis sûre, j'ai même pas besoin de regarder. Je vais quand même regarder, mais je vois que tu m'as tout coupé. Elle m'a tout coupé. Non, mais de toute façon, j'ai même pas besoin de regarder. Je sais, je reconnais la matière. Oh my god, intemporel de chez Intemporel. Regardez-moi cette beauté. Oh wow. Oh, trop bien! Plus, je crois que j'ai un fond de robe que j'ai gardé. J'en avais deux, mais je crois que j'en ai gardé un. Parce que des fois, c'est un peu transparent. Mais ça, quand il fait chaud. Bon, après, le noir transparent, ça va, ça se voit pas beaucoup. Mais ça, quand il fait chaud. En plus, regardez, on doit pouvoir le mettre vraiment porté comme ça ou comme ça, comme tu veux. Je crois que tu dois pouvoir porter les deux. C'est un col à la bardeau, un peu. Je crois qu'on dit ça, hein, les tops comme ça. Hein. La fluidance du truc. Ça sent bon en plus. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Alors. Jacqueline Riu. Oh, waouh. Ah, trop stylé!
Pareil, on est sur le... Regardez. Waouh. Une combi pantalon. Ça, j'adore. Le problème à chaque fois, c'est que soit c'est 100% viscose, 100% polyester et je supporte pas. Là, c'est pas le cas, je le sens. C'est hyper fluide. Ou soit c'est trop court parce que moi, en fait, je suis maigre et grande. Donc, c'est un peu toujours le problème. Là, y a-t-il une taille? Taille 1, parfait. Parfait, parfait. Disons, c'est une belle taille 1. J'espère qu'il va être assez long. À mon avis, on ne devrait pas être trop mal. Pareil, hein, je vous ferai... Oh là là, alors moi qui avais déjà plein de looks à faire. Et le dernier article. Oh, la matière, elle est marrante. C'est une robe aussi. Gémeaux. Oh, elle est belle aussi. Hein. Elle est toute simple. En plus, c'est une taille S. Bon, c'est nickel. Elle est toute simple. Mais le petit, la petite fronce là, fait tout. C'est marrant cette matière, elle est... On dirait du pot de pêche, mais c'en est pas. Étiquette coupée. Ah, oh, c'est marrant. Ouais, on dirait vraiment, ça fait un peu aspect pot de pêche, mais doux, 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 quoi. Oh, génial. Bah, écoute, Cindy, franchement, t'as fait une heureuse ce matin. Oh, franchement. Bah écoute, franchement, je te fais un gros bisou. Je vais t'envoyer un message juste après, de toute façon. Bah merci pour ce colis. Bah, je suis contente de t'avoir retrouvé sur les réseaux parce que ouais, ça doit faire 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Ouais, 25 ans, 30 ans, je sais pas, ça fait hyper longtemps. Et franchement, merci beaucoup. Non mais je suis, parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement. Ah ouais, franchement. Bon bah, ma poulette, je te fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous et à toutes pour vos gentils messages que je reçois depuis mon live d'hier. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je mets tout de suite celle-ci en ligne. Punaise, elle va durer presque une demi-heure. Gros bisous, ciao, ciao. Et puis les looks arrivent, bien sûr.